vidéo, je vais vous présenter comment craquer une pompe à l'aide de deux tubes de colle. Moi, j'utilise ceci. Alors, donc vous d'abord vous retirez le truc du bas, vous devrez avoir un trou. Enfin, d'abord, faut enlever ça qui est sur l'axe qui pousse la colle, que on récupère dedans le petit bâton. Après, on y colle sur un axe. Moi, j'ai agrandi l'axe parce que sinon c'était trop grand, avec un bout de plastique. Et on y colle sur un moteur. Après, il faut percer un trou en biais comme ça, pas droit dedans, en biais pour que, suivant le sens de rotation, l'eau elle soit éjectée sur le côté et qu'elle sorte. C'est un peu le principe d'une pompe. Voilà, on enfonce le moteur comme ceci, et puis après, on va coller à l'aide de colle pour à peu près étanchéifier le tout. Voilà, on repasse un coup comme ça. Voilà. Hop. Et on va laisser sécher. Maintenant, on va tester la pompe avec... Là, on peut voir que là on est au 2,5 volts, on consomme 1 ampère, on crache un petit jet d'eau. Après, on peut monter jusqu'à 5 volts avec ces moteurs-ci, même s'ils sont pas censés trop. Là, nous sommes sous 3 volts. Et comme on entend, c'est assez silencieux quand même. Là, on est sous 3,16 volts. On consomme 1,2 ampères. C'est tout à fait convenable. Même s'il consomme quand même pas mal, mais il ne chauffe pas vu qu'il est à peu près refroidi par l'eau. Voilà, je l'ai déjà essayé de tourner pendant une nuit entière. Ça ne chauffe pas. C'est juste un peu le bruit, mais c'est une pompe verticale et pas immergée, elle doit être comme ça. Et je vais installer plus tard un tuyau. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine.